Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sleeping Dogs. On se retrouve afin de continuer tranquillement notre aventure. On est comme ses débuts, à ses prémices, et on est déjà engagé dans différentes choses sur la carte, différentes activités secondaires. Et puis on va tout simplement continuer ce qu'on faisait déjà la dernière fois, c'est-à-dire s'occuper des saisies de drogue. Au niveau du quartier de North Point. On va pas trop s'éparpiller, hein. J'expliquais que j'essayais de faire un peu les choses par quartier, que ce soit également les récupérations d'objets, que ce soit les hôtels ou les caisses, ce genre de choses. Et bien je les ferai quartier par quartier, au fur et à mesure où l'histoire principale va nous envoyer petit à petit. On verra bien, pour éviter d'être totalement suréquipé avant l'épisode 5 par exemple, si je fais ça assez vite. On verra quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Ok, on va éliminer les malfrats. Donc on va se chauffer comme ça. Il m'a touché. Parce que... Voilà, là je les vois pas. Il y en a un qui est avec un casque de moto. Ah, je pensais que t'étais mort toi. Ok. Et toi, on te range. Voilà. Parfait. Les combats sont pas évidents. Le timing pour quand même pour les stopper est assez et assez juste le timing pour les stopper. Et lui, voilà, comme ça il me vole pas. Attends, à moins que ce soit ma moto là-bas plutôt. Je ne sais pas laquelle est ma moto. Donc on avait découvert aussi le piratage des caméras, et pour ça eh bien il faut de la chance. Tout simplement, on va mettre des chiffres et puis on va voir si on a beaucoup de chance. Pas énormément, il y a juste le 8 qui est bien placé, qui est mal placé. On va faire un 4, un 6 et un 9. Ok. Du coup, on va se mettre un 4 ici, le 8 ici, un 2 et un 0 qu'on n'a pas utilisé encore. Ok, le 8 est bien passé. Est-ce qu'on pourrait essayer de le mettre ici? Mettre le 4 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 0, 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait le 5, donc le 5. Et voilà. Parfait. Et du coup, maintenant, il faut aller utiliser le système de surveillance à la maison. Mais ma question c'est... Non. C'est pas ça. Ah oui. Donc on va être obligé de revenir à la maison à chaque fois. Un petit peu dommage. Bon. Les quartiers sont pas très très grands. Donc pour le moment ça va. C'est pas très dérangeant. Mais ça sera plutôt... Ce sera plutôt quand on ira plus loin. Bonjour, j'ai oublié qu'on était à Hong Kong et que c'est inversé par rapport à la France, le sens de circulation.
J'ai pas l'impression que ce soit ma moto, ça. Il semble aller beaucoup trop vite. Non mais doucement, on défonce pas ta porte, Wen. Alors, ici. Je sais pas si c'était lui ou l'autre qu'il fallait arrêter. On va voir. Non, mais ça passe. Et amélioration de police. Eh bien, on va faire coup fatal au ralenti. Sachant qu'on n'a toujours pas d'arme à feu. Hein. On se bat toujours à main nue pour le moment. J'imagine que ça se débloquera au cours de l'aventure, mais le gameplay à Manu est assez efficace, je trouve. Donc, soit c'est pas très grave. Allez, on va en faire un autre, c'est parti. Donc là, de toute façon, on va faire les 4 qui sont disponibles. Oui, non, c'est pas la bonne voiture. C'est pas la bonne moto que j'ai prise, donc il était bien en train de voler ma moto. Ok, on va pouvoir les ranger. Voilà, et là. Oh, ma vie, par contre, j'avais pas vu. Ok. Qui veut goûter à ma barre de fer? Ah, je l'avais pas vu. Ça nous fait farmer de l'argent, c'est plutôt pas mal. On pirate. Bon, au moins le jeu est sympa, il vous redonne votre vie tout de suite après. Pas besoin de payer 15 000 choses pour recharger sa vie. Alors, on a juste le 1. On va essayer un 0. 4, 5 ici. Rien de tout ça. Bah du coup... 7... 8... 1... Et qu'est-ce qui manque? Un 6. Ah mais je suis con, j'ai remis le 1 au même endroit. Du coup, on va mettre un 6 ici, un 7 là, il y a que le 8, donc le 1 il est forcément ici, le 7 il est forcément ici, et le 6 ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et on rentre à la maison pour valider ça.
Alors a priori on peut pas mettre les véhicules qu'on ramène dans notre garage, donc cette moto je ne peux pas la sauvegarder. Si ce n'est pas ma moto. Paniquez pas, je sais conduire. Bon, après, j'arrive avec le t-shirt plein de sang. C'est sûr que ça aide pas à ne pas paniquer. Alors. C'est lui. On a vu qu'il faisait une petite transaction. Ok. Alors je sais pas si c'était un point de vente plus compliqué à avoir et c'est pour ça que j'ai eu autant d'XP, ou est-ce que tout à l'heure je m'étais planté de mec en fait. N'ayez pas peur, je sais juste pas conduire. Ce n'est rien. Alors, du coup, on va aller par ici. Bon, pour l'instant, début d'épisode. Relativement tranquille. Dans le sens, on fait des petites choses, mais rien d'extraordinaire, mais ça nous fait farmer. On va aller s'acheter des tenues, des choses comme ça. Après, je pense que je ferai le shopping de mon côté aussi, pour pas vous embêter avec ce genre de choses. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai vu un avec un couteau. Et plusieurs, apparemment. Ouf, il a fait super mal, il va pas falloir se faire beaucoup toucher ici. Viens. C'est le flic le plus vénère hein, quand même, parce que dans sa couverture je viens de poignarder des mecs. Ok, ça me régène. Tiens, le pied de biche, ça te plaît? Ah, je perds quand même pas mal d'argent avec ces conneries. Donc c'est la première mort qu'on a.
Du coup. Ah ouais, du coup, ça ne l'a pas validé. Ah mince. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que je me suis dit, il va s'enfuir comme les autres d'habitude. Ouais, attention, là, je joue au jeu dangereux parce que il y a un policier pas loin. Dommage, dommage. Bon, on va recommencer. On voit ce que ça fait la mort. Donc, c'est. Il y a une petite punition dans le sens où bah, tu perds de l'argent. Alors, je sais pas si c'est comme un GTA où on perdrait nos armes si on en avait. En l'occurrence, j'en ai pas. Après, peut-être que je l'ai fait trop tôt. Hein, ces planques, et du coup, il y a un certain challenge. Gagner 44 dollars au Congé, je sais pas comment j'ai fait ça. Ah bah du coup ils sont plus là. Donc ça a bien validé le fait de les avoir, mais il faut pirater la caméra. La caméra elle est là-bas et le boîtier est ici. Parce que des fois il faut un petit peu chercher le boîtier. Hein. Dans l'épisode précédent on en avait une où le boîtier n'était pas à côté, donc il fallait suivre le câble. Écoutez, on va faire ça simple. À chaque fois on va mettre les chiffres comme ça. Voilà. Donc là, 3, 4, 5, 6. Ok. On va essayer avec le 5 ici. Ici, je vais mettre un 3. 7 et 8 peut-être. 5, ok. Donc le 3, il est forcément ici. Le 8, il va être forcément ici. Et 9. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ok, retour à la planque. Ouais, je vais avoir un problème sur les virages. Ah bah non, attendez. Apparemment, je peux faire celui-là aussi. Faire celui-là. On va aller le faire. Allez, ruelle d'Enlow, c'est parti. Bonjour monsieur. Qui veut se battre? C'est son pote. Hey, il me met mal. Je sais pas si c'est moi qui suis mauvais. M'a évité de me prendre un coup. Merci pour la chope. Non mais ça sert à rien ce que je fais. Bah oui. Lui jamais. En fait je peux le. Ok, lui est trop énervé. Ah!
quand même l'impression que mes comptes sont moins efficaces quand j'ai une arme. Parce que je me contente juste d'esquiver. Voilà. On a eu chaud, hein, plusieurs reprises, encore une fois. Mais ça passe. Alors, vous, votre caméra... Elle est où? Elle est ici. La caméra est là. Où est votre boîtier? Bon, déjà, je vais garder un pied de biche. Bon, si la caméra est là, le boîtier, voilà, il est ici. Allez, on fait la technique inverse cette fois-ci. 9, 8, 7, 6. Le 7 est déjà bon. Bah du coup, 5, 9, 4. Oh bah voilà, en deux essais. Quel génie. Et puis on va reprendre cette petite voiture pour rentrer. Il faut vraiment que j'arrête de faire start pour mettre la carte. Et si on peut faire les deux là, en 20 minutes, vingtaine de minutes, un peu plus de 20 minutes, on aura réussi à faire les 4 saisies de drogue que je voulais faire dans cet épisode. Ah, attendez. Alors, je ferai la plupart en off, mais quand on les trouve, on va quand même en profiter pour les débloquer. Comme ça, vous en voyez un maximum, hein, tout comme les coffres. Et comme tout reste sur la carte, c'est pas dérangeant pour moi. Comme je l'expliquais dans le dernier épisode, c'est pour ça que je vous montre pas ce genre de choses et que je fais attention à ne pas les récupérer dans un GTA, par exemple. Parce que quand ils disparaissent, après, je ne sais plus où est-ce que je les ai déjà pris ou pas. Et quand tu fais ta recherche, t'es là, ah, je le trouve pas, celui à ce point-là, mais est-ce que je l'ai déjà pris ou est-ce que je l'aurais pas pris? Pas de questions qui se posent. Et après, tu peux passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer de chercher soit quelque chose que tu as déjà pris, soit un truc que tu auras mis de côté en disant non, c'est bon, je l'ai déjà pris celui-là, je pense. L'endroit me dit quelque chose et finalement, pas du tout. Et après, il faut retrouver c'est lequel dans ta soluce. T'en bordel sans nous. Hop. On va enlever le pied de biche. Ça fait un peu bizarre de courir avec son pied de biche à la main. Alors, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? On va voir ça. Oui. On va arrêter lui. En tout cas, il lui met les menottes très très rapidement. Ça, c'est fait. Et on enchaîne avec le suivant. On aura fait 6 hein, déjà sur les 9. C'est plutôt pas mal. C'est lui le dealer. Lui, il achète. Voilà. Et on débloque encore des améliorations. Compensateur de recul. Le recul des armes à feu est légèrement réduit, ce qui permet d'enchaîner les tirs plus rapidement. Eh bien, pourquoi pas. A priori, on a gagné des entraînements de mêlée, ça c'est plutôt cool. Votre balayage renverse plusieurs ennemis à la fois. Ah, très utile. Bah, j'ai un point. Pourquoi je peux pas mettre?
Une statue à rapporter. D'accord. À rapporter où? On ne sait pas. Mais on a récupéré une statue dans un temple, c'est vrai. Et je ne sais pas quoi en faire pour le moment. On verra si le jeu m'en parle à un moment ou à un autre. Allez, on est à peu près à la moitié de l'épisode, un tout petit peu plus avant... On va pas aller faire ça par exemple, qui est peut-être à North Point ou à Aberdeen, je ne sais pas. Mais du coup, on va faire la mission qui est devant chez nous, qui est, je crois, Amanda. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Alors, il n'y avait pas les sous-titres. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu d'un coup. Du coup, elle est perdue. Elle cherche... Je crois avoir compris une école ou un truc comme ça. So what brings you to Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? No. No, I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Ah non, c'était un club qu'elle cherchait. You say that. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street, always buckle your seatbelt, and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. Ah, j'aimerais bien m'arrêter pour faire le temple, mais je pense pas qu'on ait droit. Donc, oui, non, elle cherchait le temple, et Wen lui dit... qui va la conduire, parce que c'est plus simple que de lui expliquer... Et donc c'est pour ça qu'on l'a sur la moto. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for what was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Donc on lui fait une petite visite de la ville du coup. Donc je pense qu'elle cherchait plusieurs endroits, mais j'ai juste compris le temple. Un truc comme ça. Et c'était pas school, c'était club, peut-être. Donc j'ai roulé au ralenti, évidemment, hein, pour vous laisser les dialogues. Hein. Faut lire les sous-titres. Comme ça, moi aussi, ça me permet de les lire. Isn't this school supposed to be in a temple? Si, voilà, parlez bien d'une école. D'accord, oui. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Ah, yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you.
Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. C'est Wei, pas Wen. Wei. Ok. Tout en étant déverrouillé. D'accord. Ok. D'où l'intérêt d'être verrouillé. I see time in America has rusted your skills. Oui, d'accord, moi j'ai fait les saisies de drogue sans avoir tous les coups. Effectivement, je les faisais un petit peu trop tôt. Voilà, c'est mieux. I try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiancé. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But, I will definitely call you later. Ok, donc on a vu à quoi servaient les balayages, numéro d'Amanda, vêtements de sport et biographie de Wei Shen. Sifu vous apprendra un nouveau mouvement si vous trouvez une de ces statues de jade. Alors en gros, il expliquait que il avait des statues pour chaque animal du calendrier chinois en jade qui daterait de la dynastie Ming, je crois qu'ils ont dit. Il lui reste plus que le rat et les autres ont été volés, donc c'est ce qu'on a nous retrouvé, et donc c'est ça les statues qu'il va falloir retrouver à travers la carte. Et là on va déjà donner celle qu'on a déjà récupérée. Alors là on a un petit problème parce que on a les comment dire, on a les dialogues du moment d'avant qui se sont entremêlés avec l'autre, donc il y a malheureusement des bugs, etc. Mais le jeu a eu des soucis de développement et apparemment tout n'a pas été corrigé. Alors, soit le coup de genou assommant, votre coup de genou chargé assomme les ennemis, soit le tacle après avoir taclé l'ennemi. C'est quoi le truc ouf? Coup de pied sauté, empoignade suivi d'un prise de bras. Voilà, le coup de genou assommant. Allez. I'm ashamed to call myself your teacher. Ok. Your failure is truly breathtaking. Non. 1, 2. Et on maintient. Faster! Harder! Hey, I'm embarrassed for you!
shame that your performance falls by the minute. How can Wei learn when you provide such weak opposition? Là, je l'ai pas battu, je vais péter la jambe, hein, mec. My ancestor, please stop by again if you find one of my statues. C'était hyper violent ce que je lui ai mis. Ok. Du coup de genou assommant débloqué. Maintenant il va falloir essayer d'y penser à ses coups pendant le combat. Et ben du coup on va pouvoir même enchaîner avec une autre quête principale. Braquage et livraison. Bah, écoutez, on est très efficace pour l'instant sur ce Sleeping Dog, je trouve. On enchaîne plutôt bien dans chaque épisode avec pas mal d'activités qui sont faites. Donc on a un bon rythme pour le moment. Ah, il y a un truc là à récupérer. Dommage. Wait, you okay, man? You look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy, he'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes, you gotta just take it. Totally, man. Look, it's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is! Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyun looking after it. If we boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Alors attends. Oui, je vais remonter dans le van. C'est juste que... Voilà, il y a une caisse ici. Tant qu'à faire, je la récupère, je suis à côté. Oui, je remonte, t'inquiète. Cette idée va mal tourner, hein. I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend. Oh yeah? What do you think it's you, May? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Hell no. If I let that stop me, I'd never ask anybody out. What about you? You ever think of finding somebody? A relationship. Wouldn't really work with my life right now. Sure it could. Look at me. You're one of a kind, Jackie. What's all the crap in the back? The haul from my last score, baby. Haul? What haul? Tires, CRT. Put on his mask. Can't let Dog Eyes boys know it was us. There should only be a few guards. Keep dungeon running. Bon, c'est dommage, les dialogues se coupent un peu, mais... Come and get me! J'ai mis en application ce que Sifu m'a appris, hein. Ok, lui est KO. Les cogneurs peuvent bloquer vos attaques. Et toi, tu vas faire bonjour au vert. Et toi, tu vas faire bonjour à la poubelle. Voilà. Ok, ils viennent armés. Ah,
Ah bah du coup, quand je fais un combat un peu plus à mon niveau, c'est pas la même histoire. Non, j'ai... Ok, j'ai compris pour les contres. En fait, il y a un petit cooldown après que vous en avez fait un. Donc si vous le faites trop tôt, pendant un moment, il sera plus capable d'en faire. Donc vous pouvez vraiment pas enchaîner la touche de contre. Si tu la fais pas au bon moment, c'est fini. Allez, c'est parti. Petite course poursuite et on va rattraper le van avec la cargaison. Et c'est B pour faire des dérapages. J'ai perdu quelques points avec la police parce que j'ai fait quelques bêtises, on va dire. Ok, lui, il dégage. Attendez, on attend. Il y en a une autre qui arrive. Aïe, c'est moi que je suis en train de détruire. Bon, lui, alors lui, il fait n'importe quoi. Comment tu veux faire les choses sans avoir de dégâts matériels? Ok, on va percuter le van. Vas-y. Wait, we got him. Gueule pas mon nom. Damn, that was crazy, man. We did it. Holy shit, we did it. Check it out. It's raining Cambria. That was our big boost. A shipment of cheap watches. What? My dog is cheap. Jackie, these are fake as fuck. Holy shit, Tylo, the cops drive. Wait, drive. Ok, c'est parti. Oh, ils vont beaucoup plus vite que moi. J'espérais qu'ils se prennent le poteau. Bon, je fais plein de dégâts matériels, mais ça va aller. Ok, c'est bon. Yeah, you're gone. We're clear, man. No wonder there's so many criminals in this town. Those cops suck. Bon, ils sont pas si nuls que ça quand même. T'as vu la tronche de voiture? I don't know. He's an asshole, fucking guy. But he has friends in high places. Hey, he's a piece of shit. Don't be afraid of him. Man, wait, you just got back. Get to know who's who before you start talking about bosses that way. Listen, comes a time. You gotta stand up to guys like that, no matter who's backing them.
What caused the bad blood? Don't know. They used to be tight, though. Hard to believe Dog Eyes would turn on a friend like that. He always was a shit. Even when we were kids. Donc j'essaie de ralentir parce que vu que ça coupe les dialogues, si on veut avoir tout. So where's this guy we're meeting? Don't worry, I'll take you from here. You sure you don't want me to stick around? No, man, I got it under control. So no la. Alright, your deal. Hey, Wei! You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great. I finally hit the big time. Eh bien, voilà. Petite expérience triade obtenue. On a le fourgon avec Tag Dragon, fausse motre, montre Cambria et rapport d'informateur sur Jackie. Alors, triade. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bonus d'attaque direct, dégâts de toutes les attaques directes augmentées, résistance aux attaques. Coup de pied en se relevant. Verrouillez-vous sur un ennemi et appuyez sur A pour passer derrière un ennemi et faire face à son dos. C'est pas mal. Boost des armes de mêlée, coup de coude en grimpant. Ah, j'aimerais bien quand même me défendre. Allez, on va se défendre. On a déjà mis pas mal de choses quand même dans le très offensif. On va mettre un petit peu de défense. Ça peut être pas trop mal. Ok, et ben ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Job de flic. Ok. Grande vitesse. Ok, on a de nouvelles activités secondaires qui se sont débloquées. Raquette de minibus. D'accord. Alors, les répertoires, les rapports, malheureusement, je vais pas les lire. Attends, j'ai le numéro d'Amanda, ça fait quoi si je l'appelle? Yeah, hello? Amanda, it's Wei. You doing anything later? Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria Peak. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. D'accord, ça fonctionne comme les copines de GTA. Est-ce qu'on va la faire? J'aurais peut-être pas dû la lancer. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est super loin. Bon allez, on l'a fait. Tant pis, vous aurez un épisode plus long aujourd'hui. Comme ça on aura vu entièrement le truc avec Amanda. Je sais pas si on peut augmenter, je sais pas, une jauge augmentée, un truc comme ça. On va voir. On va aller faire la rencontre, si ça se trouve ça va prendre 2 secondes. Au plus long ça va être le chemin. Surtout avec ma petite mobilette. Le prochain épisode, on ira voir ce que c'est le job de flic et les grandes vitesses. Ce sera déjà pas mal comme programme pour le prochain épisode. Comme ça, on voit un petit peu le secondaire. Est-ce que je peux faire des roues? Non, je peux pas lever la roue arrière. Hein. Sur la roue arrière, non. Tant pis. Peut-être qu'avec la moto, c'est possible. Combien? Oh allez, on a 550 mètres, c'est plus très loin. Puis au moins avec la petite mobilette, je passe entre les voitures plus facilement. En tout cas, la ville est plutôt sympathique.
à parcourir. Elle est pas trop grande, pas trop petite non plus. T'as vraiment l'impression de bien conduire quand t'es dedans. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à voir quand même. Il y a l'air d'avoir des paysages un peu différents. Les quartiers ont l'air quand même d'avoir leur propre identité. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là pour le moment. On verra au bout de quelques dizaines d'heures de jeu. Je sais pas du tout la durée de vie du jeu, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on se lassera un peu de la ville. On va bien voir. Bon, au moins ça m'a rassuré, hein, cette mission. Me dire que, en fait, on était quand même sur quelque chose d'assez compliqué, hein, du coup, de faire les saisies de drogue. Way, hi. Hey, Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Hmm. Let me see what I can do. On va s'introduire pour elle. You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines all over town. Oh, can you take a picture here? Comment on fait? Oui, comme ça. That looks good, thanks. You have to say, that dress looks really good on you. Well, you know, this guy bought it for me. Guy bought you that dress, huh? Tell me about him. Well, he's pretty cocky. Bit of a jerk. But he's also kind of cute. And what does the guy think about you? I don't know. I hope he likes me. Well, I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. Est-ce qu'on peut le soudoyer? You think you can let me and my friend in? No, I told you he's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Way. Ouais, bah j'ai juste un petit peu d'argent, quoi. Hey, will you take some pictures for me? Please? Suivez Amanda et prenez une photo quand elle pose. Chaque fois je fais A. Ok. Bon, moi ça fait vrai rencard quoi. Il y a une petite activité, ils discutent un peu. Alors attends. Ouais, c'est dommage pour les barreaux derrière mais. Good composition. Et on continue. Bon, c'est une mission très facile. One more. Bon, pas de soucis. Hein. C'est quoi cette pose? That's great. Thanks. You're a pretty good photographer. Ah, no problem. My pleasure. That was great. Thank you so much. I can't believe you got us in here. It's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I could see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. C'était rapide. Hey, I have an idea. Oh, really? Tell me more. Là, dans le truc? De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hôtels de santé sont visibles sur la mini-carte. Rapport de surveillance sur Amanda Catwright. Ah, intéressant! Du coup, ça nous donne des bonus plutôt pas mal. Très bien. Et ben, on va s'arrêter ici. Ça va, c'était pas très très long. Donc, du coup, ça va pas trop rallonger l'épisode.
Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez eu de l'activité secondaire, vous avez eu une rencontre avec un personnage, de la mission principale. Vous avez tout eu en un épisode, c'est pas beau. Et puis, bah, on espère que ça va continuer comme ça tout au long de ce let's play. On se retrouve dans 2 jours pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.